Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait beau, donc ça c'est cool. On se retrouve pour ceux qui ont vu la précédente vidéo. C'est vrai que j'avais un haul action, ce que je cherchais, quelque chose que j'ai trouvé, enfin à part une, ça c'est pas trop bien. Alors je vous montre ce que j'ai trouvé. Sous l'écran d'ail comme ça, et ben je l'ai, j'ai, enfin celui-là, je l'ai vu sur aucun haul, donc je savais même pas que ça existait. Donc il y a trois d'ail, différentes tailles, et en fait ça donne ceci. Ça fait un gros gâteau petit lu. Et moi j'ai trouvé super sympa avec le côté assuré comme ça. Ou puis en deux et pour un mini album, très génial. J'ai déjà une idée ce que je vais faire avec, pas le thème, mais découpe et embossie. Ça c'est cool. Dans ce modèle là, je ne connaissais pas. Il n'y avait qu'un d'ailleurs. Les autres, ils ressemblent beaucoup à ceux de la dernière, contrairement à ce qu'on dit. Celui-là, jamais vu. J'ai repris mon déo, là, j'aime bien. Pink Passion. Quand j'en trouve, eh ben, j'en prends 2-3. Même si j'ai un stock, parce que celui-là il est compliqué à trouver. Et je me dis, s'il arrête de le faire. Ah, il y a tous les autres, hein. La marque FA, comme ça. Mais le Pink Passion, compliqué. Hein. Du coup, j'en ai pris 2. Ça, je montre. Après. Rayon enfant. Donc j'aime bien faire un petit tour. Et là j'ai trouvé des nouveaux stickers Puffy. Alors là ça va, il n'y a pas que ça. Il y a animaux de la savane. Bah, je vous montre un peu ça. Donc on a des, j'adore ça. La girafe est trop belle. Perroquet, il y a des poissons, il y a des chevaux. Il y a des chiens, des ours, des poissons, il y a Dory qui est là, Nemo, on a des chats, des singes, enfin vous voyez, ceux-là je ne connaissais pas, ça vous a vu. Et j'en ai trouvé un deuxième. Alors là, c'est que des chiens et des chats. Franchement, ils sont trop mignons. Il y en a deux dans le panier. Et celui-là, le petit chat dans la... Là. Dans un rosoir. Trop mignon. Je crois que c'est 99 centimes. Il y en a... J'ai la flemme de compter. Enfin, il y en a beaucoup. Par contre, ils sont... On voit mieux derrière. Et c'est plus dans les... Des fonds bleus, violets et blancs. Et roses. Il y a un boubou, là. On ne sait pas le même. Mais il y a un boubou. Et là aussi. Non, franchement, il est trouvé trop mignon. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Hop. Alors, vous vous souvenez que la dernière fois, il en manque un. La dernière fois, j'avais pris des fleurs comme ça. Et j'avais dit, de moi, j'en ai qu'un, j'aurais bien pris un deuxième. Et ben c'est chose faite, j'ai trouvé. Il y en avait qu'un encore.
Donc il y a 9 fleurs, ça c'est en... Je sais pas de... Pas mis quelle matière c'est. En mousse, ouais. Cherchez le nom. En mousse, donc j'ai pris rouge... pourpre. J'ai pris en gris parce que j'en avais plus. Et j'ai repris une en blanc. Le blanc, c'est une couleur que j'utilise beaucoup. Bon, j'aime bien utiliser ceux avec des paillettes hein, en plutôt papier. Et là, il n'y a pas. Les deux actions que j'ai fait, il n'y avait pas. Et en pot de rayon, il y a. Ben, en pot de rayon, j'ai trouvé les fleurs. Non, ça c'est rayon Noël, pardon. Rayon Noël, alors j'ai trouvé des roses à paillettes. Mousse, tissu non tissé, déjoué. Enfin, j'ai pas marqué très français traduit. En fait, c'est des roses comme ça, mais vous avez vu la hauteur. Elles sont grosses. Hein. Les rouges, là c'est en papier. Elles sont à pailletées dorées. Et franchement, elles sont trop belles. Elles sont énormes. Vous avez vu la taille? Donc j'ai trouvé en rouge, il y avait rouge, doré et argent. J'ai pas pris argent parce que ça faisait pas un beau gris. Et celui-là, donc ça va être plus marron que doré, j'ai pris les mêmes mais doré. Sur une boîte ou quelque chose, je trouve ça super. Même une toile. Il y en a 4 dedans. Je me souviens plus du prix. Donc en fleurs, ça va, je suis équipée. Un frère après. Hop. Rayon automne. Enfin, automne, Halloween, Noël, tout en même temps. J'ai vu sur une vidéo la fille et faire des créations avec des rondins de bois. On a différentes tailles et il y en a 5 dedans. Donc franchement, j'ai trouvé trop sympa pour faire des petites déco. Il n'y a pas que l'automne, on peut très bien s'en servir à Noël aussi. Et j'ai des idées pour Noël. Et j'ai trouvé un petit comme je voulais. À la base, c'est ce que je voulais. Mes autres sont sympas. Il n'y a pas marqué plus d'infos que ça. Là. Non plus. Enfin, là, il y a des petits. C'est plus des petits, oui. Et là, il y en a beaucoup, hein. Son poil, je sais pas, une vingtaine peut-être. Ouais. Donc ça, j'ai pris pour Noël. j'ai repris ça. Alors, vous voyez, hein, par rapport au mien, il est quand même un peu plus rempli. Moi, j'ai tombé sur le mauvais. Donc du coup j'en ai pris un autre. Bon après c'est longtemps avec. J'ai mangé trop de guimauve comme ça au bout d'un moment c'est écœurant. Bon du coup j'ai repris ceux-là. Et celui-là il est pas pour moi, il est pour ma pierre, ma cousine. C'est qu'elle les aime bien. Du coup, j'en ai repris un autre. Hop, je le mets là. Après, toujours pour mon
calendrier d'avant de Noël, j'ai pris un rouge. Parce que j'en avais qu'un et plutôt pas mal. Donc je vais vérifier quand même. Ah pardon, ils sont là. Ouais. Comme ça, j'ai deux rouges. Je les mets là, devant moi. Voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai trouvé? Celui-là, j'ai pris pour Marie-Pierre. Parce qu'elle s'est pris le stylo à gravure, enfin gravé. Donc du coup, elle n'est pas de bois, elle veut se faire sur sa table. Du coup, j'ai pris les petits rondins comme ça. Ah, faire le bruit. Toujours pour... ça, c'est pour Halloween. C'est pas pour moi. C'est moi, tous les ans, j'ai au moins une dizaine, c'est pas plus, de gamins qui vont... Pardon. Pour Halloween, chercher des bonbons. Donc l'autre fois, moi, quand je suis allée à l'action du jeu d'habitude que j'aime bien, il n'y en avait pas. Et la dernière que je suis fait avoir, j'ai dit, oh, il y a le temps. Il y a encore un mois, Halloween. Et ben, je suis retournée la semaine après, il n'y en avait plus. Donc du coup, j'ai pris maintenant, comme les autres, je pousse. En fait, moi, c'est j'ai trouvé sur internet des sachets transparents avec des ballons. Moi, là-bas, c'est des petits sachets d'anniversaire. Et moi, je fais des petits pochons de bonbons Halloween. Comme ça, ils sont à peu près tous pareils. Sinon, ils prennent. Hein. Après, ils prennent ce qu'ils veulent, c'est pas le point. C'est que si la vie en prend 5, et ben il y en a. Et là, j'ai pas eu assez pour tout le monde. Donc, du coup, cette année, j'ai dit, comme la dernière, il y a 2 ans, je vais faire des petits sachets. Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Hein? Je voulais la machine Poi. J'aurais dû prendre la première fois d'ailleurs. Et ben là j'ai trouvé. Je n'ai pas trouvé dans mon action habituelle. Et là, je l'ai trouvé dans ce qui a accueilli chez moi. Donc celui-là, c'est pour lui chauffer la haute feuille. Et il faut que je fasse réparer ma fatigueuse. Je sais pas pourquoi elle marche. Alors, attendez. Hop. Donc, je suis contente, il n'en reste plus que 2 ou 3. Et. J'avais pris, vous savez, les feutres comme ça, les peintes marqueurs. C'est pas les feutres, c'est la peinture. Enfin, il manquait le bleu. Et ben, c'est chose faite, je l'ai trouvé. Enfin, il manquait plus que celui-là. Et franchement, quand on voit les couleurs, à mon avis, ça va être top. Enfin, quand même, j'aurais dû faire des verts ou des oranges. Parce que sur l'équipe, il y a sur différents roses, par exemple, ou différents verts, violets. Mais il n'y a pas fait d'orange ni de... Je ne sais pas, il y a de vert. Non, il n'y a pas de bien. Bon, en tout cas, il manquait de bleu, j'ai trouvé. Plutôt content. Il y en avait plein d'autres. Hein. Et, Voilà. J'ai tout fait pendant longtemps. Et Valo lui manquait ces 4 là.
Parce que j'ai trouvé le jaune l'autre fois et elle avait trouvé le rose. Il lui manquait cela. Bon, du coup, Balou, je l'ai trouvé. Je vais le mettre dans le sac. Voilà. En fait, moi, pour me rappeler lesquels j'avais, lesquels Balou avait, lesquels on n'avait pas, ben, je voulais pas me tromper. Moi, ce que j'ai fait, eh ben, j'ai découpé tous les petits cartons, enfin, le haut de l'emballage, comme ça, eh ben, je ne me trompais pas. La dernière, j'avais pris les aquamarqueurs. À la fin, je ne savais plus lesquels j'avais. Ce que je trouvais paracool. Du coup, là, j'ai pris les hauts des emballages, comme ça. Donc, voilà. Ensuite, il lui reste une petite chose. Que je vous explique. En fait, quand je suis allée aux actions à côté de chez moi, j'y allais principalement pour essayer de trouver ce qui manquait et comment dire, la machine et le crayon à feuille. Et en fait, moi, on m'avait dit que il se trouvait avec le stylo à gravure, enfin à côté. Impossible de trouver. Je suis arrivée, j'ai fait clac clac. Je me suis dit, mon Dieu, je suis trop dégoûtée, il n'est pas là. Mais vraiment dégoûtée. Je regarde un petit peu ben, les crayons, je regarde ce qu'il y avait. Et qu'est-ce que je vois? Serré dans un rayon. Les crayons à feuille. Enfin. Alors moi, je les voyais pour un emballage plus grand. Et ils n'étaient pas du tout où j'aurais dû être. Ils étaient à côté des crayons. Donc, je suis ravie de les avoir trouvés. Ça, c'est trop cool. Donc, c'est fourni avec le crayon. Il y a un truc USB, aucune idée à quoi il sert. Et un petit, tout petit rouleau de feuilles. Il n'y a que doré, hein. Ça, je ne cherchais pas une autre couleur. Alors, il fait 15 cm de large sur 1,22 m. C'est précis. Hein. Bon, par contre, la clé USB, je ne sais pas à quoi elle sert. Alors, ils mettent une minute de réchauffement. Attendez 5 bonnes minutes. Parce que je suis tombée sur la vidéo de Petite Rémousse. Et elle avait, vous savez, l'année dernière, même il y a 2 ans, ils avaient fait plein de rouleaux de feuilles, ben justement, qui servaient avec la machine à feuilles. Et du coup, elle a voulu essayer. Et ben, il marche tous les fois qu'elle avait. Faut juste pas que. Elle a juste un, pardon. Le verre, allez comprendre pourquoi. Le verre ne marche pas. Donc, elle a fait une petite. Un crash test. Vous allez voir, c'est petite rémousse. La vidéo a été faite hier ou avant-hier. Et elle a essayé tous les rouleaux. Alors, je ne vous les montrerai pas parce que ils sont tout en dessous. Ça, il y avait les gros, il y avait les longs, il y avait. Enfin, il y avait au moins 3 sortes. Et les 3 marchent avec. Par contre, il faut attendre au moins 5 bonnes minutes. Donc, vous avez le crayon avec un embout plastique, un noir. Surtout, ne mettez pas les doigts là ou là. Ça brûle. Ça chauffe, donc automatiquement ça brûle.
Donc on fera, je sais pas, attends, mais je ferai une vidéo pour tester, pour être sûr que, ou alors c'est moi qui n'arrivera peut-être pas à le faire, mais je voudrais essayer sur les différents foils que j'ai. Par contre, ça ne marque avec la marque Craft & Co. Par contre, un truc USB, je ne sais vraiment pas à quoi il sert. J'espère que c'est marqué sur une notice. Pas l'impression qu'il y ait. Je vois pas à quoi elle sert la clé USB. Principal pour l'instant, c'est d'essayer et voir vraiment si ça marche. Donc la pointe du stylo, c'est 1,5 mm. Voilà, donc plutôt trop cool d'avoir trouvé. Par contre, faites attention à partir de 12 ans et sous la surveillance d'un adulte. Parce que n'oubliez pas que ça brûle. Donc, je suis ravie. Alors, du coup, quand j'ai vu ça, il devait en avoir 8 ou 9 dans le rayon. Alors, moi, j'en ai pris 4. Pas pour moi, je vous rassure. Marie-Pierre en voulait un, Valou en voulait un. Et moi, honnêtement, je m'en suis pris 2. Parce que je me dis, si c'est si génial que ça, et ben, s'il y a un qui est en panne, j'aurai un autre. Ah, ça va, il était à moins de 4 euros. Je crois que j'ai beaucoup moins. 2,99, ouais. Je me rappelle. 2,99, donc ça va. Alors par contre, ceux qui ont gardé les feuilles de d'avant, les dernières d'avant, ils marchent, il n'y a pas de souci. Vous regardez la vidéo de Tetremousse et vous verrez, elle a essayé 4 feuilles différentes et les 4 ont marché. Sauf, je vous dis, la couleur verte. Pas compris pourquoi. Elle a attendu 5 minutes comme les autres. Le vert ne marche pas. Apparemment, vous savez tout de suite si ça marche. Il faut bien tenir la feuille. N'oubliez pas que c'est fluide. Donc, ça va pas rester en place si vous la tenez pas correctement. Et quand vous utilisez le crayon, si vous voyez que ça râpe un peu, c'est que ça marche. Si ça ne fait pas, c'est que ça ne marche pas. Mais attendez, contrairement à part celui-là, je suis là, vous attendez une minute, il n'y a pas de souci. Mais pour les autres, attendez 5 minutes. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, trop cool. Donc voilà, ben moi, j'ai pu arranger tout ça. Et je ferai la vidéo test, je sais pas quand, mais je la ferai, n'inquiétez pas. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Ouais, on va lire ça. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.